pourquoi ne passerais-tu pas le premier? Monte sur l'estrade devant la classe. Non seulement je n'avais pas mes chaussettes porte-bonheur, mais j'allais avoir besoin d'un caleçon porte-bonheur. De quoi vous voulez que je parle? Je veux que tu parles de personnalités historiques qui ont atteint leur but alors que tout était contre eux. Tu sais ce qu'est un but, n'est-ce pas, Chris? Oui. Je ne savais absolument pas quoi dire. Sans mes chaussettes porte-bonheur et sans avoir révisé, j'étais mal. Beaucoup de gens croient que si on réussit alors qu'on a tout contre soi, c'est parce qu'on a de la chance. Moi, je ne crois pas à la chance. Du moins, je n'y crois plus. C'est vrai, est-ce que c'est la chance? Est-ce que c'est la chance qui a fait que Rocky a battu Mr. T? Non, il s'est préparé avant. Il s'est préparé en se battant contre Apollo Creed. C'est pas maintenant qu'on va plaindre le perdant. Et est-ce que c'est la chance qui a fait qu'Indiana Jones a pu sauver les enfants du temple maudit? Non, il s'était préparé. Il s'était préparé en sauvant le monde dans les aventuriers de l'Arche perdue. C'est vrai, quand on peut sauver le monde entier, ça ne doit pas être difficile de sauver deux enfants. Est-ce que c'est la chance qui a fait que King Kong a vaincu les avions? Non, parce qu'il a échoué face aux avions. Les avions l'ont fait tomber de l'Empire State Building. Mais si King Kong avait passé un peu de temps à apprendre à se battre contre les avions, au lieu de courir après une petite fille blanche, je vous parie qu'il serait vivant aujourd'hui. Beaucoup de gens croient qu'on ne peut pas réussir quand on a tout contre soi. Je ne suis pas de cet avis. Je pense que la chance, on se la construit. On se la construit en se préparant. Ensuite, on réussit. Oh oui! 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 La preuve que j'avais pas besoin de chaussettes porte-bonheur. Tout ce qu'il fallait, c'était que j'écoute mon père. Dieu avait exaucé mes prières et ma mère priait pour qu'il exauce les siennes. C'était magnifique, Christina. Très bien. Notre prochain artiste est quelqu'un qui est très populaire ici à l'école primaire d'Olmae. Pour commencer, il y a eu Cher, ensuite il y a eu Madonna, Sting et Rockwell. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai fait venir... C'est mon fils. C'est mon fils. C'est moi, sa maman. Et regardez comme il est beau. Je l'admire très. Il est trop beau. Drone ne savait pas chanter, mais pour le playback, il était doué. Maman, regarde, il chante en playback. Je sais, heureusement, sinon quel désastre! Allez, lève-toi, pas sur scène, toi aussi! C'est mon fils à moi! Eh ben, dis donc, cette tricheur est incroyable! Même avant l'ère des clips vidéo, Drew connaissait le secret pour être un bon chanteur: ne pas chanter du tout! Alors, oh, tu as été formidable. Tu étais beau, tu as bien dansé, tu as chanté en playback. Oh, Dieu soit loué, c'est vrai. Tu as été formidable, mon lapin. Tu croyais quand même pas que j'allais chanter. Maman, je chante faux. Oui, on le savait. Tais-toi, Tonya. Maintenant, tu montes et tu enlèves ton costume. Et range-le dans la penderie s'il ne sent pas trop mauvais. Ta journée, Chris. Comment ça s'est passé sans tes chaussettes? Ben, la vie est redevenue dure comme elle était avant, mais j'ai eu un A à mon contrôle d'histoire. Un A? Excellent. Je suis très fier de toi. J'ai eu un bon professeur. Tiens, Chris, voilà tes chaussettes. Je croyais que tu les avais jetées. Non, je les ai lavées. Tu vas les remettre? Non. Je crois pas, non. Je n'en ai plus besoin. Tiens. Ok. Ben, en fait, je crois que je pourrais les garder encore un peu de temps, juste au cas où. Oui, juste au cas où. Juste au cas où le cirque reviendrait à Bed-Stuy. Et je n'étais pas prêt à passer le reste de ma vie à la merci d'une paire de chaussettes. À partir de maintenant, la chance, c'était moi qui allais la provoquer.